Ce qui est assez rigolo, c'est que même à l'époque, il y a une trentaine d'années, puisqu'on a fait ça il y a une trentaine d'années, dans les interviews, on en faisait référence au fait d'avoir réinventé l'heroic fantasy. Alors que moi, j'aime pas du tout l'heroic fantasy. Donc, c'était assez amusant, quoi. Mais on avait par contre effectivement des références. Moi, j'avais beaucoup plus des références au niveau de la littérature. Le cycle de Chai ou des choses comme ça. De Jack Vance, ouais, ouais. Et moi j'aimais bien l'heroic fantasy, j'avais adoré Bilbo, j'avais détesté Le Seigneur des Anneaux parce que je m'étais ennuyé, enfin détester c'est un grand mot. Et par contre, je venais de terminer un cycle de lecture des pièces de Shakespeare. Ouais. Et je pense que ça m'a un petit peu inspiré au niveau de la complexité des personnages et d'un style un peu ronflant aussi. C'est quelque chose d'important, mais qui a évolué au fil du temps. C'est-à-dire que les premiers scénarios n'étaient pas du tout écrits tels qu'ils ont été dessinés. Souvent, je dis, si un autre dessinateur que Régis aurait illustré, dessiné à quatre doigts du temps, ça aurait été une histoire différente. C'est parce que il y a eu ce rapprochement, ce travail en commun. Je ne dis pas le nombre de pages qu'il a fallu jeter avant d'arriver à quelque chose qui nous convienne. Ce n'est pas un travail avec un scénariste d'un côté et un dessinateur de l'autre. C'est deux personnes, deux auteurs, chacun ayant leur capacité propre, qui se réunissent sur un projet et qui font de ce projet, d'abord c'est une sorte de pâte à modeler, puis petit à petit les caractères se dessinent et c'est comme ça que l'histoire avance. Non, mais disons que, en fait, moi j'ai donc du Litvin qui a fait le premier, Awamri le deuxième, moi j'ai fait le 3 et 4. Donc déjà, le personnage est déjà posé avant. Il y a le travail que Régis a fait, lui, où il sera plus vieux. Moi, il faut que j'arrive à me caler entre guillemets entre les deux, justement, entre le moment où il va avoir 60, entre les 60 et au moment où l'histoire débute à 16 ans. Ça se fait en fait, on cherche le personnage, il y a beaucoup d'échanges avec Régis et Serge, puisque eux savent exactement ce que doit dégager le personnage. Et donc l'idée, c'est d'arriver avec son graphisme, sa personnalité, à se fondre dans l'aventure de la quête, tout comme l'ont fait les autres dessinateurs avant, avec leurs caractéristiques de dessin, etc. Et donc, l'idée, c'était qu'il prenait de l'ampleur, on va dire, au niveau de sa stature, il devenait vraiment plus imposant, la barbe commence à apparaître. Il commence, dans le dernier album, en fait, on commence à voir arriver le personnage qui va devenir. Et donc, c'est de trouver cet équilibre-là, tu vois, pour que le lecteur sent déjà le personnage qu'il va retrouver dans l'ancien cycle, quand il démarrera sa quête personnelle. Quoi, voilà. Surtout avec l'exigence, parce qu'il faut effectivement, moi je suis un petit peu le gardien du temple au niveau du graphisme et de l'univers, puis de toute façon si je ne le suis pas, Serge prend le relais parce qu'il le connaît très très bien cet univers, puis voilà, donc c'est une volonté de départ en disant ce qu'il faut faire c'est, quand on aborde un album avec un dessinateur différent, c'est pas de faire du Loisel, c'est de faire de la quête de l'oiseau du temps. Ça fonctionne très très bien, dès l'instant que le dessinateur a compris où on voulait aller, ça le fait, quoi. On sait à peu près où on va. On le sait bien même, et on ne sait pas encore exactement comment on y va. Et c'est ce qui est magique, parce que du coup, les personnages évoluent, nous surprennent, et parfois on est obligé de se rapprocher d'eux pour que l'histoire tienne la route. Donc c'est de la matière vivante. Dans un premier temps, on se réunit, Régis et moi. On fait des séances de travail de plusieurs jours. On écrit ça, il y a un premier jet qui est noté. Une fois que c'est fait, parce que Régis habitant à Montréal, il ne peut pas rester plus qu'un certain délai. Donc moi je mets au propre ce premier jet. Il y a des allers-retours, des commentaires, des critiques, des améliorations, des ajouts même, parfois des pages, des séquences qu'on peut réécrire. Puis une fois qu'on s'est calé sur ça, je passe le micro à mes petits camarades.
Oui, non, en plus, ce qui est vraiment très agréable dans le travail sur la quête, c'est que moi étant, on va dire, extérieur à l'origine de l'aventure, Régis et Serge font vraiment comprendre que ils sont à l'écoute. Et ça, c'est vraiment très agréable. C'est-à-dire que y a pas dans la collaboration, c'est pas un travail d'exécution. En fait, c'est vraiment une collaboration à trois. Au niveau graphique, Régis est là pour, pour que le bouquin. Enfin, ce qui est agréable, c'est que autant Serge et Régis, on a le sentiment de l'idée, c'est de faire le plus beau bouquin possible. Ce qui compte, c'est aussi le regard des autres. C'est-à-dire que pour ses copains, lorsqu'il les retrouve, sa famille, tout d'un coup, il est le chevalier Bragon. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, sa réputation commence à se forger, au-delà peut-être même de ce qu'il espérait. Et c'est pour ça que l'album s'appelle Le Chevalier Bragon, parce que c'est un moment clé de sa vie, un basculement. Et c'est encore une fois l'ironie dramatique, c'est que la façon dont il accomplit son premier exploit n'est pas du tout à la hauteur de sa réputation. C'est un coup de théâtre. Et sur lequel il rebondira, faites confiance aux auteurs. Oui, effectivement, il y a. Alors parce que c'est une formule. L'horizontal, le scénario horizontal, entre guillemets, c'est ce qui se passe au niveau du quotidien de Bragon, les rencontres, les combats, les affrontements, les révélations, l'aventure. Le vertical, c'est tout ce qui le relie au cycle de la quête de l'oiseau du temps, c'est-à-dire les clins d'œil, les passerelles établi entre ce qu'il est jeune homme et ce qu'il sera plus tard. L'exemple le plus fameux, c'est dans le Grimoire des Dieux, lorsqu'ils vont dans un endroit qui s'appelle, je ne sais même plus comment ça s'appelle, et que Mara, oui, bah, alors là c'est, Le temps de Machin. ouais, le temple, lorsque Mara pour aller chercher le Grimoire vieilli, lui-même va aller la chercher, et là qu'est-ce qui se passe? On le voit tel qu'il était. Tel qu'il sera dans la quête de l'oiseau du temps. Et moi, je trouve que c'est un énorme clin d'œil parce qu'au moment où ça apparaît, il y a une mise en perspective. Et c'est un moment d'émotion, de créateur et aussi pour le lecteur. On va pas s'enfermer dans ce système. Ceci dit, il y a quand même Bulrog qui est en devenir. Il a récupéré le masque de. Aspire. Et on le montre bien, il y a une image où ça y est, pour le lecteur averti, le Bulrog futur est déjà là. Donc il y a quand même quelques passerelles avec le cycle précédent. Ce qui le motive dans ce cas-là, c'est qu'il a été spectateur. Comme vous le dites, des exactions de la quête, bravo, de la secte. Dans les tomes précédents, il a bien vu qu'il y avait des crimes qui étaient commis au nom de la secte, il a été prisonnier, il y a eu des combats qui ont été sponsorisés, entre guillemets, par la secte. Mara et lui sont quelque part, ils sont aussi pourchassés par la secte. Les enfants des princes sorciers, Mara est une victime potentielle. Du coup, ça commence à en faire beaucoup. Lorsqu'il va voir le Rige, il y a un gars qui est mandaté pour affronter le Rige. Et là, il voit aussi que dans le peuple, la parole de cette secte, l'ordre du Cygne, commence à se répandre mais un peu chez tout le monde. Et là, ça devient insupportable. Donc, du coup, il ne peut plus accepter d'être indifférent. Il en a souffert, et Mara aussi. Il y a un risque réel de basculement du pays des Sept Marches, donc même d'Agbar, vers un côté obscur de cette secte. Donc maintenant, il est partie prenante, il est un ennemi déclaré de la secte. Donc de toute façon, il va pas rien faire.
C'était une phrase qui est un peu mieux quand même. Il va réagir, voilà, c'est la fatigue. On coupera hein, de toute façon. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai été lecteur aussi de La Quête. C'est vraiment une série qui m'a beaucoup marqué. Donc, c'est un vrai plaisir, en tout cas, de le dessiner et de retrouver les personnages que moi, j'ai connus en tant que lecteur. Et ce qui me fait plaisir quand je dessine des planches, c'est vraiment d'essayer de retranscrire l'émotion que j'ai eue quand j'ai lu la série. Et donc d'essayer de me voilà de transmettre ça dans la page. Ben moi, je sais pas lesquelles, mais ce que je peux te dire, c'est toutes les scènes intérieures, je déteste. Ça, je déteste ça, être enfermé comme ça. Mais ce que j'aime bien, c'est les moments, par contre, dessiner les moments intimes, tu vois, vraiment où il faut vraiment que tu trouves une émotion particulière dans le dessin pour essayer de le faire passer au lecteur. Et ça, j'aime bien ça, mais au même titre que j'aime bien aussi les scènes d'action. Mais c'est beaucoup plus facile de faire des scènes d'action parce que graphiquement tu peux jouer avec les cadrages, tu peux jouer avec l'énergie, les éléments de décor, tout ça, ça bascule, ça fait que tu peux faire une page très très active. Mais les moments d'émotion, où ce sont des moments très calmes, justement, ça peut être un baiser, ça peut être une caresse, ça peut être quelqu'un qui est en train de mourir entre les bras de la personne qui le soutient. Ça, il faut pas que tu te plantes, quoi. Il faut vraiment que tu vives ça de l'intérieur, toi. Et donc, moi, j'aime assez faire ce genre de scène. J'ai pris beaucoup de plaisir à dessiner le Rige. J'étais vraiment content. Non, je sais pas si je serais le Rige, parce que le Rige est plutôt à l'opposé de moi en termes de physique. Non, mais par contre, ouais, c'est vraiment quelque chose. Enfin, tu vois, quand on parlait, tu vois, des fois d'émotions à faire passer. Mara doit faire passer une certaine émotion. Bragon, le Rige. Bragon, j'ai eu plus de difficultés. Tu vois, à essayer de rentrer, à me projeter dedans. Le Rige, bon, après, le Rige est un petit peu plus monolithique là, mais j'ai vraiment pris plaisir à essayer de retrouver ça. Puis après, c'est difficile, hein, moi je trouve, comme. Moi, c'est Bulrog. Bulrog, c'est un personnage en devenir qui n'a pas fini d'évoluer parce qu'on l'a laissé à un moment où il est enfermé dans un ermitage avec un bras en moins. Et alors que c'est un guerrier, un redoutable guerrier, donc avec un bras en moins, ça me semble difficile. C'est même son bras droit, je crois, non ? Oui. Ouais. Donc voilà. Et ça, c'est un personnage qui n'est pas fini encore. Et ça, c'est un personnage sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. Moi, je suis déjà un personnage de La Quête. L'inconnu. Parce que. Bah oui. Régis, à la fin, Régis a dessiné, dans le dernier épisode de La Quête, il y a l'inconnu qui raconte à ses petits-enfants ce qui s'est passé, une sorte d'épopée. Et je pense que c'est pas tout à fait accidentel. À l'époque, j'avais un peu de barbe, j'ai donc dans le dessin la barbiche, des lunettes, et je raconte une histoire à ma famille. Et je termine, enfin pardon, l'inconnu termine en disant, ben voilà, tout ce qui reste de ça, c'est la nostalgie. Et ça résume un petit peu, effectivement, le sentiment qu'on a eu, qui était partagé dans ce cas-là, mais que cette histoire étant terminée, il ne restait plus que le souvenir de l'histoire.